Bonjour tout le monde, c'est Yopouké88. Bienvenue dans cette vidéo où je vais ouvrir pour enfin la nouvelle série Évolution Céleste. J'ai pu en avoir deux tripacks, je vais ouvrir une tripack dans cette vidéo. Déjà très compliqué à en trouver. J'ai fait trois magasins, j'ai juste pu avoir parce que j'ai fait une réservation à Cultura. Donc ils m'ont gardé deux tripacks, sinon dans les autres magasins, j'ai rien trouvé. Dans une prochaine vidéo, je rouvrirai celui-là que j'ai trouvé à Carrefour, je sais pas ce qu'il y a dedans, c'est une trousse et en lisant derrière, ils disent qu'il y a deux boosters, on va voir ce que c'est. Et en tabac presse, j'ai pu trouver ceci avec un booster. Donc j'ouvrirai ces deux-là dans une prochaine vidéo. Et là, pour maintenant, je vais ouvrir ce tripack. Donc j'ai eu un tripack de Noctali et l'autre de Pic à glaçons, je crois. Et je vais ouvrir le Noctali parce que je la trouve belle là. La carte promo. Donc dans cette ouverture, j'aimerais avoir une ultra. Après en soi, j'ai pas trop regardé ce qu'il y avait dans la série. La série, j'ai cru comprendre qu'elle était quand même assez compliquée à collectionner car il y avait beaucoup d'ultra. Et comme toutes les séries actuelles, c'est un peu compliqué d'avoir de bons tirages. Donc si j'en trouve des boosters, j'en rouvrirai. Sinon, la collection en soi de cette série, je pense que je vais pas la faire entièrement. Déjà, déjà, donc voilà la carte promo. Très joli. Le code. Voilà, je vais mettre sur sleeve la carte promo. Il me reste aussi plus beaucoup de sleeves. Donc elle est très belle. Donc c'est la SWSH. On voit plus. SH 129. Très joli. Donc on a trois illustrations. Il y a Rayquaza, Naphali et Noctali. Donc j'ai aussi le petit jeton. C'est un Raikou. Très joli. Donc on va se les ouvrir. Donc en gros dans. J'aime bien celui-là et celui-là en dessin de booster. Ouais, je vais mettre comme ça. Voilà. Le Naphali en premier. Donc j'espère, comme je vous dis, avoir au moins une ultra. Et j'ai remarqué, parce que j'ai trouvé aussi des tripacks au Leclerc. Mais ils étaient un tripack à 19,90€. Je trouve très cher pour des tripacks. C'est pas comme une série de Destiny Rageuse où c'était à ces prix-là. Là, c'est quand même juste une série normale. Destiny Rageuse, il y avait au moins un pins avec. Donc voilà le code. Je suis content qu'il y ait une nouvelle série. J'espère que ce sera facile à en trouver après. Parce que là, actuellement, trouver des boosters, c'est compliqué. Donc, énergie, rêve ball, ah, c'est ça le signe de évolution céleste. Bon, je sais pas qu'est-ce qu'il a aujourd'hui mon téléphone, le focus fait mal. Montagne orageuse, géolite, nodulite, les deux se suivent. La bébé est très jolie la carte. Ah oh non, bah en fait au téléphone ils rendent jolie, mais en vrai elle est pas si jolie que ça, je trouve. Tilton et Yonzo, celle-là elle est vraiment belle par contre. Vraiment, vraiment belle. Lupio, celle-là aussi elle est pas mal. En reverse, chauve-sourire. Et en rare, c'est une rare Flambusard. Elle est pas mal la carte. J'aime bien le dessin derrière. Donc première booster, rien. Du moins rien. On a des cartes, c'est bien. C'est des cartes que j'ai jamais eues. Mais rien en ultra. Donc c'est le Rayquaza.
Dites-moi en commentaire si vous avez pu vous procurer des boosters de Évolution Céleste et si vous en avez ouvert. Et si vous avez eu des choses intéressantes, n'hésitez pas à me le dire. Moi, je cru comprendre que les tri-packs, tout ça, c'était pas des tirages intéressants. Énergie. Valise de secours. Bagaïde. J'ai beaucoup spoilé là par contre. Ursa Ring. Avec la lune derrière, pas mal. Lupio, que j'ai eu tout à l'heure. Chlorobulle. Solochi. Teddy Ursa. Jolie la carte. Barpo. Avec plein d'hameçons, pour essayer de le pêcher, le Barpo. Ah, je crois avoir une ultra derrière. Donc, masque spirituel. Elle est pas mal. Et c'est une VMAX. Lugarok VMAX, super. J'ai une ultra, je suis content. C'est la 92 sur 203. En plus, elle est très jolie la carte. Vraiment super. Bon, moi, je sais que j'ai pas acheté inutilement ce tri-pack. Donc, c'était le tri-pack Noctali. Et je garde le dernier booster. C'est donc c'est Noctali. En espérant que ça va apporter un Noctali, quoi. Non, je plaisante, peu importe. J'ai un peu défoncé le booster. Voilà le code 1, 2, 3, 4. La reverse, elle est un peu défoncée ici. Je sais pas si vous la voyez. Donc. Et focus sur Lugarok. Énergie. Tentacruel. Géolithe que j'ai déjà eu. Aromathérapeute. Emolga. Parécool. Elle est classe la carte, le dessin quand. Genre, il manque, on dirait des vieux dessins, on dirait qu'il manque pas mal de pixels quoi. Du moins, il n'y a pas beaucoup de pixels. Tournicoton, elle est jolie la carte. Love Disc. Elle est pas mal aussi la carte. Passe rouge. Donc en reverse, Krabicoque. Et en rare, donc une rare. Fragile Lady. Fragile Lady. Ou Lady. Elle est pas mal. Avec les cocotiers derrière, sont pas mal. Pas mal la carte. Donc voilà pour cette ouverture. Donc en résumé, dans ce tri-pack. J'ai eu donc le jeton Reiku, la carte promo Noctali, super, très jolie, et l'ultra, la Lugarok VMAX, super. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne. J'essaye de faire une vidéo par semaine. Et sur ce, bye bye!